Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve du coup pour le 7e apéro avec vous. Et à chaque fois je dis apéro mais en réalité il y a quand même, vous avez remarqué, il y a quand même du fromage et du chocolat. Donc ça va, on est bien. Commençons par la bière comme d'habitude. Bon alors là écoutez, c'est un peu la loose. Je suis pas sûre que ce soit la bonne bière. J'ai ouvert le 7 et il y avait rien dedans. Donc j'ai regardé à côté, il y avait rien dedans. Vu que c'était le 6 et que je l'avais pris juste avant. Donc je sais pas, en fait j'ai l'impression que les bières elles se sont décalées. Et je suis pas sûre d'avoir pris la bonne. Bon c'est un peu le bazar, je vous avoue, je suis pas sûre d'avoir les bonnes bières. Donc si vous avez acheté ce calendrier de l'avant là, je rappelle celui de Find the Bottle, du coup n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je suis curieuse de savoir si vous avez le même bière que moi ou si rien ne va. Imaginez, j'ai déjà dégusté le 24, alors là je vous dis il est bleu. Donc c'est celle-ci, donc c'est Kolsch, 33 centilitres, 5,4 degrés d'alcool, ok, et c'est une German Ale. Alors est-ce qu'on a mangé? Est-ce qu'on a mangé? Eh bien écoutez, je ne vois rien manger. Bon après il y a 24 bières et la carte des styles et accords, elle ne comprend pas 24 accords, donc c'est peut-être ça en fait, il y a des petits trous. Mais on va combler ça, vous savez comment. Me revoilà avec, vous savez ce que c'est, vous le savez, je n'ai même pas à vous le dire, mais je vous donne un petit indice quand même. Oui, il a dit c'est énorme. Bon déjà on va déguster sans rien et après on verra. Déjà j'ai jamais goûté ce type de bière, jamais. Donc ça se trouve ça va être une découverte folle, ça serait incroyable. Déjà la couleur, qu'est-ce que ça donne? C'est pareil, elle bouge pas beaucoup et elle est très... En fait, ça ressemble à une blonde, hein, je pense. Ouais, ça ressemble à une blonde, peut-être. Je vais dire un poil plus foncé, mais je suis même pas sûre. Franchement, ça ressemble à une blonde. Là, à l'odeur, je dirais... Ça sent un poil l'acidité et un poil le fruité. Elle est pas très acide au final. Je m'attendais à vraiment quelque chose d'un peu acide comme on a eu il y a quelques jours. Et en fait, il s'avère que ça va. Étonnamment, ça fait bière assez légère en termes d'alcool et tout. Ça fait bière vraiment légère. Mais il y a quand même une amertume qui persiste. Moyenne, hein, c'est pas giga amer. On n'est pas sur une IPA ou quoi. Mais non, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je garde ça là et du coup, on va goûter avec le saucisson. Attendez, je vais reprendre un peu pour me remettre dans l'ambiance. Je parle de la bouche pleine, mon dieu. Pardon. Juste comme ça, ça va plutôt bien ensemble, c'est assez équilibré. Il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre. En fait, elle est assez cool parce que je pense qu'elle peut passer plein de choses pour le coup. Elle est vraiment, il y a quand même l'amertume qui ressort un peu. Mais ce qui est cool, ça fait qu'elle ne s'efface pas complètement en mangeant en fait. Franchement, je trouve ça pas mal. Étonnamment, c'est pas le genre de bière que je prendrais réellement plaisir à boire. Genre, si je devais boire une bière de dégustation, c'est pas forcément ce que je ferais. Mais une bière un peu de tous les... J'ai envie de dire de tous les jours, mais vous comprenez ce genre, bien sûr que je conseille à personne de boire tous les jours, toute l'année. C'est pas la bière que je boirais en me disant wow, aujourd'hui je vais me faire une bonne bière, vraiment je vais l'apprécier pendant une heure. Elle reste relativement classique en fait. Voilà. Je la préfère à celle d'hier d'ailleurs, qui était beaucoup plus effacée, beaucoup moins goûteuse. Beaucoup moins goûteuse, j'ai dit. Aucun français la meuf. Beaucoup moins goûtue. Donc, la boîte du fromager. Oula, je vous la soulève, sinon le bruit. Donc, on est numéro 7, j'ai dit. Oh, les odeurs à chaque fois, elles me donnent envie de manger tout le calendrier d'un coup, c'est terrible. Donc le 7, je vous montre ça et je vous ai même. Attendez, mais je vous ai prévu le petit plateau habituel pour vous montrer le fromage. Oh, ça sent une odeur que je connais. Et déjà, je sens. Alors je l'ai pas ouvert entièrement. Je sens que ça va être une croûte orange. Non? Oh là là, je suis une bosse. Oh, regardez. Non mais alors là par contre je connais ce fromage. C'est sûr, juste à l'odeur, j'ai su que c'était une croûte orange. Et ça fait très Munster. Je pense que c'est ça. J'avoue que c'est un fromage que j'ai mangé peut-être une fois ou deux dans ma vie. Mais j'ai l'impression que ça fait très Munster. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est le bon nom? Attendez, je suis en train de réfléchir si c'est bien à ce. Je reconnais le fromage, hein, y a pas de doute là-dessus. Mais vraiment je suis en train de me dire, est-ce que c'est vraiment le Munster auquel ça me fait penser? Je dirais que oui. Sentez-moi ça. Dans tous les cas, je crois que je connais, mais si c'est pas Munster, mince, à quoi ça peut me faire penser d'autre? Bon, on va goûter déjà et après on verra à quoi ça nous fait penser. Donc, excellent. Il est très très bon lui par contre. Hein. Je reste sur ce que je disais à la base, je dirais Munster. Alors, vraiment, j'ai ce nom là en tête. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. En tout cas, je connais le fromage, c'est sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. Quoi qu'il arrive, il est excellent. Vraiment, il est très 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 bon. Hein. J'avoue que j'ai plus tendance à manger du fromage chèvre slash brebis que à manger ce type de fromage, mais pourtant c'est tout aussi plaisant. Goûtons avec la bière maintenant. En fait, l'amertume là, de la bière elle est complètement effacée par le fromage. Le fromage est relativement fort. Et étant donné que la bière n'est pas extrêmement puissante, ben ça va vite à prendre le dessus. Quoi. Le fromage, là, je vous le dis, dans vraiment 10 minutes, il n'y en a plus. La conclusion, c'est qu'on va regarder déjà ce que c'est. Alors, est-ce que c'est Munster? Ou est-ce que j'ai dit une énorme bêtise? Alors, attendez. J'ai dit une énorme bêtise, les gars, non! Je ne regardais plus, j'ai entré. On n'est pas du tout dans ce que je disais. Donc c'est du maroilles fermier AOP, famille vache, lait thermisé, ok je sais pas ce que ça signifie, je connais pas. Type de pâte, pâte molle à croûte lavée, région Hauts-de-France, matière grasse 26%. Mais goût, saveur intense, croûte orangée et odeur puissante, ça on est bien. Accord boisson, bière du nord ou cidre brut. Si vous privilégiez un rouge, choisissez le AG au tanin fondu. Et recette typique, flamiche au maroilles,
filet mignon sauce maroilles ou la fameuse tarte maroilles. Alors, je vous avoue que le filet mignon sauce maroilles, il me tente de malade, mais il n'y en aura plus, c'est que je passe. Bon, dans tous les cas, je suis déçue en fait. Voilà, je vous le dis, je suis déçue. Enfin, je suis pas déçue. Attention, le fromage est très bon. Je suis déçue de moi-même. Parce qu'on n'est pas du tout dans ce que je pensais. Mais c'est pas grave, on en apprend tous les jours grâce à Keto Quiz. Continuons du coup, si on n'a rien oublié, avec le chocolat. J'ai un peu de ménage, vous ne voyez pas. Le chocolat. Allez, j'ai le 7. J'ai toujours l'impression qu'il n'y est pas, mais en réalité, il y est. C'est juste que c'est toujours le dernier que je trouve. Allez savoir pourquoi. Est-ce que vous voyez? La forme est un peu différente de d'habitude. Alors déjà, sur quoi on tombe à l'odeur? Parce que parfois, c'est extrêmement reconnaissable, juste l'odeur. Oh là, j'ai un doute. En fait, j'arrive même pas à savoir. Je sens un peu le sucre, j'ai l'impression. Donc, je partirai sur du chocolat au lait, mais j'ai un gros doute quand même. Ah, quoique... En fait, le chocolat fait quand même chocolat assez puissant. Même si j'ai l'impression de sentir un petit sucre, ça fait genre chocolat, je sais pas moi, 70%. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, qui est pas trop dark, mais qui est pas chocolat au lait non plus. Bon, je partirai quand même sur du chocolat noir. Mais là, c'est une blague. C'est un putain de praliné encore. Pardon du terme, mais excusez-moi, mais il y a un moment donné. Vu le prix du calendrier, je suis en mode relou. Bon, après, les joueurs cachettes, ils ont pas forcément ce dégoût. Plus, j'exagère non plus avec le praliné, mais parce que en réalité, c'est bon. Et juste, ça m'écœure un peu. Donc, un chocolat, ça reste loin de me tuer. Mais j'ai l'impression qu'on a vachement ça depuis le début quand même. Je vais quand même goûter avec la bière par curiosité, par contre. Pour ça. Oh, je trouve que ça va pas du tout ensemble. Là, non. La bière, elle est effacée, le praliné, il a un goût à moitié bière, c'est pas terrible. J'étais surprise que la première fois que j'ai croqué, j'ai pas eu de croquant et tout, j'ai eu juste une texture de praliné. Et en recroquant, en fait, je pense que j'avais pas atteint le milieu ou quoi. Et là, d'un coup, j'ai eu un peu de croquant et une texture assez cool. Il y a un petit croquant. Par contre, reste sur mon truc que c'est du praliné. Alors, l'intérieur, ça a pas l'air de la noisette, c'est pas le même croquant. C'est l'air plutôt, je vais pas vous dire mon terme, mais un peu sableux. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On peut rissouffler peut-être. Je sais pas, je dis peut-être une bêtise, mais. Donc, je dirais. Chocolat noir, mais 70%, c'est très précis. Avec un intérieur praliné et des petits morceaux de sésame ressoufflé. Oui, c'est pas du tout précis. Bon, on va regarder pour éviter le suspense trop long. On va regarder, on va voir. Ah merde, alors là, non, franchement, c'est un échec. À moitié un échec, on va dire. Donc, noisette pralinée avec des morceaux caramélisés de noisettes. En fait, je trouve, je m'attendais à. Alors, attendez, on est que jour 7, hein. Mais je m'attendais à plus découvrir. Et honnêtement, sur 7 jours, j'ai dû vraiment déguster un truc original, peut-être 2 ou 3 jours, quoi. C'est un peu moins de la moitié, quand même. Jusqu'à présent, attention, parce que mon avis peut complètement changer dans 2 semaines. Mais jusqu'à présent, je sais même pas si je recommanderais. Et du coup, bon voilà, je sais pas. Le calendrier est quand même la peau du cul. Hein. Bon, après, il y a pour 2 personnes. Là, je vous ai dit, je vais manger des pâtes pendant un mois. Avant de vous dire au revoir, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ça fait plaisir, vraiment plaisir. Donc, n'hésitez pas. Et maintenant, cette fois, je vous récupère avant pour vous dire au revoir. Bon, bah écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit à demain. Gros bisous.